Bon, la débilité de l'homme qui ne comprend rien au cycle de la nature. Oui, ça c'est un joli peuplier noir, magnifique. C'est un peu le seigneur des lieux. Après, il a un copain là-bas, hein, qui est pas dégueulasse non plus. Bon, mais lui c'est le colonel, comme on dit, dans les arbres remarquables. Ça fait un mois ou deux que j'étais pas venu. Donc je suis à mon village, hein. Il y a la petite rivière à côté, et voilà, et puis c'est des balades que je fais souvent. Et là, je remarque sur le tronc le lierre tout sec. Voilà. Ça va pas être compliqué à voir. Voilà, tout sec. Et du coup, bah moi j'étais juste venu lui faire un gros bisou. Hop, c'est le bordel. Et j'observe quoi? Bah, j'observe qu'on a fait des bonnes entailles à la hache sur le lierre, sur les lierres qui sont sur l'écorce. C'est un lierre qui doit avoir une bonne centaine d'années, hein. Il repartira d'ailleurs, il repart déjà là. Il repart déjà. Voilà. Certainement une personne qui s'est dit. Ah mais ouais, super arbre, machin. Le lierre est en train de le tuer. Et les gens ont dans leur tête, je pense, ce délire à la con des figuiers étrangleurs qui envahissent les temples indiens, genre mode Taj Mahal. Voilà. Une connerie en plus, parce que le lierre n'a jamais fait de mal aux grands arbres, je pourrais vous en montrer 20 milliards d'autres. Le lierre pousse avec l'écorce, certes, il s'accroche à l'écorce, mais il pousse avec lui et jamais il n'étrangle l'arbre. Et il y a au niveau du sol des échanges grâce à des mycorhizes, endomycorhiziennes entre autres. Il y a des échanges entre le lierre capable de capter certains nutriments dans le sol et l'arbre qui ne sait pas les capter. Donc voilà, là on voit, là, bon là ça c'est jeune repousse de printemps, mais on voit tout le lierre qui est crevé. Et posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà vu du lierre pousser au-dessus de la canopée d'un arbre, c'est-à-dire la partie feuillue à la lumière. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Pourquoi? Parce que le lierre aime pousser à l'ombre, donc il n'est jamais concurrentiel de l'arbre, il ne l'étangre pas, il partage avec lui les nutriments du sol. Ce sont des bons amis. Et en plus, ça, le lierre est quand même le dernier truc à bouffer pour les oiseaux en hiver. Les derniers fruits. Et pour les butineurs, les dernières fleurs. Voilà. Une belle connerie. Bon. Ils auraient peut-être pu couper l'arbre. Alors, je l'ai mesuré il y a un an. Il fait 1,40 m de large.